Je suis Nathalie, j'ai 48 ans. Actuellement, je suis contrôleur principal pour le ministère des Finances. J'ai deux enfants. J'ai été placée pendant mon adolescence par l'aide sociale à l'enfance en province, dans le Cantal. J'en suis sortie à presque 18 ans. Ce que je vois à repère m'alarme, et m'alarme même grandement, parce que j'y vois encore ce que moi j'ai vécu il y a 30 ans en sortant de l'ASE. Et ça laisse supposer qu'en 30 ans, pas grand-chose n'a bougé en fait. Et c'est assez alarmant pour ces jeunes, parce qu'ils ont ces jeunes majeurs qui sortent, ils ont un parcours spécifique qui demande une prise en charge spécifique. Et je vois des jeunes qui sont encore en mal de logement, voire à la rue. Je vois des jeunes passés qui ont faim. Je vois des jeunes passés qui n'ont pas de soutien ou très peu de soutien. C'est un moment particulier de la vie. C'est le moment où on est un peu lâché par l'aide sociale à l'enfance et où on doit faire face à la vie. La vraie, on l'a connue aussi, mais cette prise en charge s'arrête. Et cette prise en charge, il faut qu'elle continue un minimum, et il faut que ça soit avantageux et efficace pour eux.